Une rumeur qui fait couler beaucoup d'encre. Il y a quelques semaines, le Parisien révélait que Sylvie Tellier pourrait quitter son poste de directrice générale de la société Miss France qu'elle occupe depuis 2007. Un éventuel départ qui a beaucoup fait réagir dans le milieu des Miss. Et ce jeudi 9 juin, c'était au tour de Delphine Vespizère d'être interrogée sur cette rumeur. Dans un entretien accordé à Télé Loisirs, Miss France 2012 a confié avoir été très étonnée lorsqu'elle a entendu parler de ce possible renouvellement au sein du célèbre concours de beauté. Au début, je croyais qu'il s'agissait aussi d'une rumeur. Mais je pense qu'il va y avoir effectivement du changement, a indiqué la jeune femme, avant de donner le nom de ses favorites pour remplacer Sylvie Tellier, je vois bien Élodie Gossuin, Sonia Roland ou Sophie Talman. Il faut au moins avoir vu passer 10 ans depuis son sacre pour appréhender l'évolution de Miss France, avoir de la maturité et maîtriser la gestion de beaucoup de choses comme la presse. En même temps, il faut aussi consacrer tout son temps à Miss France, ça veut dire faire une croix sur ses autres activités. Mais d'autres personnes que celles-ci sont aussi en pourparlers. Delphine Vespizère, pour le moment, ce n'est pas dans mes priorités toujours auprès de nos confrères, Delphine Vespizère a cependant assuré qu'elle ne souhaitait pas endosser un tel rôle. Mon emploi du temps pour le moment ne me le permet pas d'ailleurs, a-t-elle indiqué, précisant toutefois qu'elle pourrait avoir les compétences pour être une bonne remplaçante, il y a peu, quelqu'un me disait, il faut, pour être à la tête de Miss France, quelqu'un qui a l'habitude de prendre des coups. Toi, tu pourrais. J'avoue que ça m'a fait réfléchir sur mes capacités dans ce domaine. Je sais organiser et gérer les gens et m'investir à fond. Mais pour le moment, ce n'est pas dans mes priorités. We'll be right back.